Et salut et bienvenue dans cette ouverture du mois de septembre où j'ai reçu deux colis en fait, en même temps la Genshin Box de chez Candysan et la Capsule Box de chez Neon Box. C'est Neon Box le truc de base? Je sais pas. Bah voilà, c'est... on va ouvrir les deux en même temps et on va voir ce que les deux proposent, voilà. Donc on va se munir bien évidemment de la baguette magique des Yakuza et on va ouvrir tout ce petit monde. Si vous aimez la boule, vous allez être servi parce que tout l'endroit là va être rempli de boules, ça va être génial, ça va être magnifique. Là on en est au même point sur les deux, c'est à dire qu'on a la décoration, on voit pas encore ce qu'il y a dedans, mais on va y aller. Donc je retire le papier de la capsule box, le papier de la Genshin box. Ce mois-ci, hop, dans la Genshin box on a un petit sticker à chaque fois. Voilà, c'est mecha Yasumi, Candysan, d'accord, je sais pas. On enlève ça, c'est pour plus tard, c'est pour savoir ce qu'il y avait dedans. Hop, et on arrive sur les boules. Ils sont plusieurs couleurs cette fois-là, c'est bien sympa. Là, on a un petit snack. Et d'ailleurs, la dernière fois, je me suis trompé, j'ai dit que dans les Candysan, il y avait des snacks, mais en fait, dans l'autre, non. Et là, non, en fait, il y a un Omaibo bonus. Et là, dans Candysan, il y a des chips au... à la soupe de maïs. Voilà, donc il y a des y a de la bouffe dans les deux en fait. Et là je crois que c'est un Omaibo Takoyaki. Voilà. Allez, on va commencer par la capsule box avec une petite boule verte cette fois, une boule de martien. Usuko Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. C'est un petit porte-clé de Tanjiro, Manjiro, Kanjiro, je sais plus, Tanjiro je crois que c'est. Si j'arrive à enlever le plastique. J'aime bien d'ailleurs le film là, sur le train, il devrait arriver bientôt. Et voilà, Tanjiro. Ok, on va ouvrir une boule Candysan, on va dire. Genshin box. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une maison à chat avec un petit chat dedans. Voilà ce qu'on pouvait avoir. Ok, ça fait une boule partout. Boule suivante, et là j'aperçois du Pokémon. Une petite porte-monnaie Evoli. Voilà. Magnifique petit porte-monnaie. Porte-monnaie Evoli. On va prendre là une grosse allée aussi de chez Genshin Box. Et... pourquoi? Attendez, je vous ouvre ça. Je l'ouvre parce que là, il faut l'ouvrir. Vous connaissez tous le truc, là, du bilboquet, où vous faites comme ça, vous avez un bâton. Et là, c'est ça. Sauf que là, c'est une branche avec un caca dessus. Voilà. J'ai tiré un caca. C'était super. C'était super flou, mais j'ai tiré un caca. Merci, Candysan. Merci. Pourquoi je fais ça? Dites-moi en commentaire pourquoi je fais ça. Parce que là, c'est pas pour la gloire du tout. Hein. Prochaine boule de chez Capsule Box. J'ai une petite Sakura de Sakura chasseuse de cartes. Je vous le montre hop au travers. Et voilà. J'avais eu il y a quelques années maintenant une figurine un peu plus grande de Sakura dans une Neon Box, il me semble, qui était magnifique. Hop, là on passe chez Candysan. Et on a quelque chose que je ne comprends pas. C'est un porte-clé, j'imagine. Un porte-clé sirène. Je comprends pas trop ce que c'est. C'est un porte-clés sirène, j'ai l'impression. Voilà, des trucs assez spéciaux. Ah, là, je vois. Hop. Je vois du One Piece. Ça retourne là-bas. Là, c'est le truc qui m'intéresse parce que c'est le.
c'est le gacha, justement, du Sumo. J'avais mis un commentaire sur Instagram, si vous ne me suivez pas, c'est l'occasion. Sur l'Instagram de Capsule Box, quand ils ont mis « Ouais, on va avoir des trucs Sumo », je dis « Les gars, je commande, il y a nos problèmes, je commande. » Donc on a... C'est un chien, je crois. Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir parce que, mine de rien, des trucs Sumo, dans tout ce qui est Nian Box, toutes les box que j'ai pu faire sur le Japon, des trucs sur les Sumo, j'en ai pas eu beaucoup. Voilà, je pense que c'est un chien. Je pense que c'est un chien Yokozuna, apparemment. Voilà. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi, j'adore voilà, tout ce qui est Sumo et tout ça. Et que je suis les tournois tous les deux mois. Il y a un tournoi. Hop, on va passer chez Candy-san. On va prendre la grosse boule, là. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, me dis pas que c'est un casse-tête. C'est un outil, apparemment. Ah, c'est une scie? Attendez, je vais vous montrer, parce que je comprends pas ce que c'est. Ça m'a l'air d'être une scie, non? D'accord, c'est un porte-clés scie. Oui! Oui! Disons oui, faisons ça. Là, un petit gachan marqué Bandai. Et c'est un petit clip. C'est un petit clip en forme de koala ou d'ours koala, je pense. C'est trop mignon. On va faire la dernière boule de chez Candy-san. Parce que là, il y a une grosse boule chez Capsule Box. Si j'arrive à enlever le scotch, putain. Non, mais ce scotch, quoi. Oh. C'est Kimetsu no Yaiba encore. Chez Candy-san. Et cette fois, c'est la fille avec le... Avec le papillon, là. Voilà, c'est mon deuxième porte-clés de Kimetsu no Yaiba. De Demon Slayer. J'ai eu Tanjiro d'un côté et la fille au papillon de l'autre. Comme quoi, des fois, il y a des surprises. On arrive à la dernière boule de la capsule box qui est toute. Ah, là, c'est Détective Conan. Conan, je sais pas, comme vous dites. C'est pas Détective Conan. Si. Ah, la figurine, c'est pas Détective Conan, mais le truc, oui, apparemment, oui. Parce que la figurine, bon. Il y a une culotte. Voilà. Donc non, je pense pas que ça soit Détective Conan, à moins que j'ai loupé un petit épisode là. Hop, on va monter ça rapidement. Tac, tac, tel un Gundam de chez Bandai, c'est faux. Ça tient pas. c'est de la loose. Voilà. D'accord. Voilà. Et on va passer au « Qu'est-ce que c'était quoi dedans ?» Et ça sera... Et ça sera seulement Capsule Box, parce qu'en fait, chez Candy-san, il n'y a pas le fascicule comme ça. Donc on ne saura pas. Voilà. On ne saura pas pourquoi ça. Pourquoi un bâton lance caca, là. Putain. Tap. Attention, voici ce qu'on pouvait avoir à l'intérieur de la Capsule Box. On avait donc une figurine Détective Conan, qui, bon, c'est pas, bah, de fois, c'est, visiblement, c'est pas Détective Conan. On avait la petite figurine One Piece que j'ai pas ouvert, la figurine carte Captor Sakura, une figurine de Kimetsu no Yaiba, donc Demon Slayer, un petit porte-monnaie Pokémon, et un petit animal Sumo. Collection d'animaux en train de faire du Sumo est juste must-have en matière de gachapon, c'est vrai. Voilà. Alors moi j'ai eu le chien, Akita Ken, donc c'était un Akita. Il était possible d'avoir le Shirokuma, l'ours, l'hamster, chat et grenouille. Dommage, j'ai pas eu les autres. Et je pense que si je trouve les autres, je vais les acheter. C'est tout pour cette double ouverture, voilà, de boules. Il y a pas mal de boules.
sais pas si vous pouvez voir derrière. Ah, ça fait un paquet de boules quand même. Moi, je vais nettoyer tout ça et je pense que d'ici le mois prochain, j'aurai sûrement fini de dégager mon bureau de toutes ces boules. Donc portez-vous bien d'ici là, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à tout ça, à vous abonner. Voilà, tout ce qu'on peut faire sur YouTube, en fait, en termes d'interaction. Et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'on était en feat aussi avec le journal qu'il y a dans le gacha, dans la capsule box. Voilà. Donc si vous voulez avoir des news fraîches d'il y a un mois, régalez-vous.